Alors les amis, c'est parti. On va aller au mont Talmapaïs. C'est un site très connu en fait où on a des Mirwoods en fait, hein, où il y a des arbres, des séquoias si je ne me trompe pas, qui sont fabuleux. Et on va passer par le Golden Gate qui est bien occupé pour l'instant, et on repassera dans l'autre sens, donc on passera le péage, et on va voir si en rentrant on peut passer par la fameuse Lombard Street, hein, que je vous montrerai, qui est vraiment très connue, et voir ce que ça donne. Donc écoutez, c'est parti. Là on va partir, donc on va voir si je peux mettre directement, voilà. Hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, je peux partir à droite, je vais partir à gauche justement. Donc là, il me fait n'importe quoi. Il y avait le scénic, le scénic, le modèle Y qui voulait prendre ma place, donc ça n'allait pas du tout. Donc maintenant, je remets. On va voir s'il n'y a rien. Oui, là j'ai accéléré un tout petit peu et ça a désactivé, donc c'est très très sensible quand même. On va mettre un peu plus d'air conditionné parce qu'autrement j'ai trop chaud. Et puis on est parti. C'est quand même dynamique, hein, comme conduite. C'est assez surprenant. Alors, comme je vous avais déjà montré avant, hein, on peut passer. Vous voyez, même là je suis en average. Donc on va mettre minimal lane change parce que j'en ai marre de changer tout le temps de voie. Et on va mettre quand même assertive pour être assez dynamique, pour pouvoir s'insérer dans le flot de circulation. Et donc là, on en a pour 1h30. Hein. Alors c'est parti. Vert. Commence à m'y faire. Je vais enlever la casquette parce qu'il fait chaud. Et je vais mettre un poil plus de ventilation, voilà. Et puis on va tester évidemment les superchargeurs Tesla aussi, hein, voir ce que ça donne. Donc hâte de voir comment on va traverser San Francisco, mais plutôt à gauche là, donc on va pas passer, vous voyez, ça va être plutôt être des lignes droites. On va stresser un peu le système plutôt qu'on va rentrer, vous voyez là, par Daly City, on va aller tout droit, il n'y a pas vraiment beaucoup de virages là. Par contre, quand on va arriver au niveau du Golden Gate, là, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti, hein. On va rentrer sur la Motorway 92. Et on va voir comment ça se passe. Là, il faut être concentré, les amis, parce que il y a du trafic, il y a double voie. Là, vous voyez, il n'y a pas trop de ligne, donc on ne sait pas trop comment la Matole revoit la ligne. Et là, comment elle va s'insérer? Ça, c'est 65 miles, je regarde bien dans mes rétros et sur le côté comment ça se passe. Vous voyez déjà là, bon, en fait ça va parce que ça ralentit, il y a des ralentissements, on le voit un peu ici d'ailleurs. Et quand j'ai regardé un peu les superchargeurs, parce qu'il va falloir que je laisse faire, hein. Je voulais mettre le clignotant, mais en fait non, je laisse faire. Par contre, je lui ai demandé de changer de voie. Attendez, là je suis pas trop d'accord parce que elle veut freiner fort. Voilà, et là je vais m'insérer ici. Voilà. Et là je reprends parce qu'elle commence à ralentir fort. Est-ce qu'il y a une voiture derrière? Je comprends pas trop ce que je fais. Donc maintenant on va voir comment elle va se débrouiller. Comme je l'ai dit en plus, assertive. Donc en théorie, à un moment elle va vouloir dépasser. Hein. Mais par contre, je vais te demander de faire pas trop de minimal change lane. Donc c'est moi qui vais lui dire, écoute, vas-y. Vous voyez là, elle n'y allait pas en fait. Elle ne voulait pas changer de ligne, mais là, c'est trop long. Donc c'est moi qui décide avec le clignotant. Qu'est-ce que c'est agréable ça? On met le clignotant, elle double. Et puis voilà, on ne fait pas de coup de volant, on ne fait rien. Et là, elle se remet à droite parce qu'il va falloir aller à droite. Là, elle hésite un peu. Hop, et là comment elle va faire là? Comment elle va faire? Parce qu'il y a pas mal de voitures qui veulent aller à gauche. Waouh, c'est compliqué là. Je freine un peu moi au sexe. J'ai repris un peu l'accélérateur là parce que la voiture derrière qui peut me rentrer dedans. Pas trop envie.
on est sur la bonne voie, on va pouvoir aller à droite. C'est quand même impressionnant. Hein. La sonorisation est pas terrible. Beaucoup moins bonne que dans mon modèle Y. Donc là, on va voir ce qu'elle fait. Alors, on va aller à droite, je me fais doubler comme c'est pas permis. Voilà, ça y est, elle accélère. Impressionnant parce que là, on a le VRH qui arrive et en Europe, on se dit, mais jamais on va le prendre avec l'autopilote. Et là, ça passe crème. Ça passe comme, je sais pas comment on dit, mais ça passe crème, voilà. Et maintenant, deuxième objectif, s'insérer dans l'autoroute principale qui va nous amener au sud de San Francisco. Et là, c'est pareil, comme je demande minimal change lane, c'est moi qui lui dis de changer de voie. Là, pareil, c'est moi qui lui dis. Donc, ce qu'on va faire finalement, c'est vrai que c'est plutôt embêtant cette histoire. Hop, je l'enlève. Et maintenant, c'est elle qui décide. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'il faut changer pas mal de voie là. Donc là, c'est 55 miles, mais les gens vont plus vite. Alors, vous voyez, là, je peux me mettre à 60. Parce qu'en théorie, c'est plutôt 65. Donc, on va se mettre à 60 pour pas être moins rapide que le trafic. Je peux même monter à 65 en fait. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Et surtout, alors j'ai montré hein, qu'en fait on peut choisir de ne pas prendre le fast track et ne pas prendre les péages, mais le péage je vais l'avoir de toute façon quoi qu'il arrive pour aller à mi-route. Voilà, maintenant on arrive dans San Francisco pour aller prendre le Golden Gate. On va voir par où elle me fait passer et on va voir surtout si maintenant il va falloir que je fasse les petit coup de main sur le volant, puisqu'effectivement j'en ai pas fait un pendant tout le trajet sur l'autoroute. Ça c'est vraiment intéressant. Et puis la consommation, je pense que ça doit être à peu près la même chose qu'en Europe. Il faudra que je fasse le calcul. C'est pas là, le menu est le même, 260 watt-heure par miles. Ouais, on divise par 1,7, ça doit pas être trop mal là. Après, il fait chaud quand même. Hein. Bon, après, c'est en Fahrenheit, etc. Mais, et ça fait bizarre de se retrouver dans une Model 3 qui est très basse. Je n'ai plus l'habitude. Alors, j'ai relevé le siège au maximum. D'ailleurs, je vais peut-être le relever encore. Pour être mieux assis quand je... Et maintenant, on remet les mains sur le volant. Et on rigole plus, là. Donc, ça me fait toujours peur un peu les trottoirs. Parce que quand je vois l'état des jantes, on voit bien. Voilà la voiture. Waouh, vous avez vu comment elle s'est insérée là sans hésiter une seule seconde. Impressionnant, alors qu'il y a une voiture derrière qui est aussi allée à gauche. Waouh, ça c'est vraiment incroyable. Moi je sais pas si je l'aurais fait, vous voyez. Donc après, c'est pas ma voiture, donc là je veux dire que le degré de concentration. Et maximal, il y a même évidemment des superchargeurs. Ah non, on va à gauche. On n'a pas envie de me mettre. Voilà, comme ça là. Donc là, on tourne. Attention, la personne là, avec le. Oh, j'aime pas trop le van ici. Et maintenant, c'est la série des feux. Et on va monter. Petit à petit jusqu'au Golden Gate. Alors là, c'est intéressant parce que sur la gauche, j'ai un scooter de garé. En fait, il le prend comme une moto. Et là, on le voit plus parce qu'il est caché par la voiture, évidemment. Et j'ai eu deux cas là où le feu est passé à l'orange une fois que j'ai passé le feu. Donc là, la voiture s'est pas arrêtée. Elle a continué sans accélérer pour passer le feu. Donc la gestion des feux, franchement, est parfaite. Vraiment parfaite. Et là, c'est vrai que je pense que c'est lié aux yeux parce que je ne bouge absolument pas le volant de petite saccade. Donc, et regardez la vue qu'on a là, c'est magnifique. On se rapproche petit à petit du Golden Gate et de la baie. Et ce qui est très agréable aussi par rapport au FSD ou à l'autopilote en France, c'est que c'est beaucoup moins brutal quand ça démarre au feu, quoi.
j'ai pas ce petit coup d'accélération un peu désagréable par rapport à l'Europe. Pourquoi ils mettent pas ça en Europe? Alors peut-être que c'est avec la 2023.20.7, ça a été réglé. Ouais, ça y est, là on a les descentes et les montées, vous voyez, c'est sympa. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La voiture a fait un petit coup de volant à droite là. Je ne sais pas trop pourquoi. Et là, elle s'est remise au milieu. Impressionnant, c'est monter ces descentes là. Hop, on profite de la régénération. Et hop, et on continue là. Par contre, je sais pas. Hop là. Et là, il y a le feu rouge. Et on va s'arrêter. Non, on s'arrête pas puisque c'est le feu passe vert. C'est super ces petites montées, montagnes russes là. Il faut pas avoir mal au cœur parce que la voiture réaccélère pile poil au moment où on a la rupture de pente. Donc c'est plutôt marrant. Et hop, ça y est, elle va réaccélérer juste quand il y a la rupture de pente. Hop, j'accélère. Hop, et je me prends. Voilà, bon, il y a moins de rupture de pente et moins prononcée. Et voilà, donc c'est tout droit. Donc là, pour la voiture, là, c'est de la rigolade, hein, franchement. Pour elle, là, dire, avec le FSD classique, bah, en France, le problème, c'est que ça s'arrête au feu rouge, mais quand... Hop, et lui, là, j'ai repris la main parce que il a fait un petit écart à droite pour tourner à gauche. Alors peut-être que ça passait, hein, mais moi, j'aime pas ça. Vous voyez, comme j'ai été... peut-être que la voiture aurait freiné avant, mais c'est moi qui ai repris la main, là, puis j'ai remis. Et là... Comme quoi, vous voyez, je disais que c'était tout allait bien, et puis en un quart de seconde, vous voyez, hop, alors peut-être qu'il ne sera rien passé, mais il faut être très très vigilant. Et voilà les amis, on arrive au Golden Gate, on est à 45, ça va passer tout seul à 35, voilà. Et j'ai que fait que quelques corrections, une ou deux, hein. J'ai pris la main en ville, mais dès qu'on va sur la... les voies rapides, honnêtement, là, j'ai fait aucune correction pour l'instant, mais là, je suis très concentré. Et c'est la première fois que je prends le Golden Gate. Donc là, je vais ralentir à 25. Donc là, je pense que c'est pour moi. Hein, donc on va ralentir à 25. Hein. On va pas faire le malin. Par contre, voyez là, il y a marqué 35 parce qu'il n'arrive pas à lire le panneau clignotant. Hein. Donc, on check par radar. Ah, maintenant, on peut accélérer. 35 et ça y est, on passe sur le Golden Gate. Voilà, je suis entre deux grosses voitures là et je vais me mettre à droite et regardez tous les gens qui sont sur le Golden Gate à pied ou qui courent. Est-ce qu'on les voit sur le... Eh oui, on les voit. Là, il doit y avoir du vent, hein. Je peux vous dire que ça doit être venté là, venteux. Oui, je peux vous dire, on voit les cheveux, je dois se concentrer, voilà. Magnifique. Oula. Et est-ce qu'on a vu sur l'écran les policiers en face? Je suis pas sûr. Je respecte 45, c'est magnifique cette vue là sur le pont, extraordinaire. J'espère que vous en profitez. En fait, ça passe plutôt crème, il n'y a pas beaucoup de, même pas du tout de trafic. C'est après, a priori, que ça va se compliquer. Est-ce qu'on reste encore 35 minutes pour arriver à Muirhout? Ouais, juste après, regardez, ça y est, ça ralentit. On va être dans le bouchon. Et voilà, je suis tellement content de pouvoir partager ça aussi avec vous. On a passé le Golden Gate, les amis. Alors, bien, bah, c'est rien d'extraordinaire, mais bon, quand même. Plaisir d'être, la chance d'être à San Francisco, de pouvoir faire ça. Ah, ça y est, maintenant, on est sur les petites routes. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des virages un peu en épingle. Et là, c'est toujours là où c'est plutôt compliqué. Hein. En France, ça marche moins bien. Alors là, tu vois les virages à gauche. Est-ce que ça, j'aurais pu prendre ça en France? Peut-être, mais alors là, ça le prend et puis ça réaccélère. Nickel, en sortie de virage. Là, oui, ça en France, ça l'aurait pris sans problème. Et regardez ce qui arrive. On va avoir vraiment des virages en épingle et ça, je peux vous le dire, dans les Vosges, ça passe pas avec...
l'autopilote qui de toute façon n'est prévu que pour les voies rapides et les autoroutes en France et sûrement en Europe aussi. En termes de vitesse et de réaccélération, parfait. Regardez-moi comme c'est beau là. Et c'est bien, hein. Elle ralentit là, on va passer à 35. Est-ce qu'elle va passer à 35? Là par contre elle passe pas à 35, donc c'est moi qui passe à 35. Vous voyez là, ces panneaux-là, elle ne les prend pas trop en compte. Donc là pareil, il faut prendre à gauche. A priori. Ouais, mes routes. Qu'est-ce qu'elle va faire là? C'est parce que tu fais cocotte là. Waouh! C'était chaud là. Il y a eu un moment là, j'en arrivais sur l'intersection, elle ne s'arrêtait pas là, elle allait me mettre un bon coup de patin là. Très bizarre. Donc, pas très bizarre. C'est un cas particulier, mais elle aurait pu. Je pense que la voiture, elle la voyait quand même devant. Donc, c'est là quand même avoir. L'expérience du FSD ou de l'autopilote, même en France, ça aide parce que le comportement est nettement meilleur ici, mais on retrouve quelques petites similarités. En tout cas, c'est sûr que là, elle en fait beaucoup mieux et beaucoup plus que. Ouais, là, elle ralentit un peu, c'est un poil trop, mais après, il y a le soleil en pleine tronche. Là, elle met le clignotant, je sais pas pourquoi. Là, tous les gens se garent. Donc là, il y a une panoramic way, hein, highway, donc waypoint. Là, donc c'est pour ça que tout le monde se gare ici. Ça s'arrêtera sûrement au retour. C'est intéressant aussi. Bon, après, le retour, pour elle, la descente, c'est pas un problème. Hein, avec le frein moteur. Ça paraît de mettre le clignotant, je sais pas pourquoi. Et là, qu'est-ce qu'elle me fait là? Pourquoi elle s'arrête? J'accélère un peu là parce que la voiture derrière. Oups, vous voyez là pareil. Elle ne sait pas ce qu'elle faisait là. Elle ne voyait plus la route à mon avis. Hop, je remets. Donc vous voyez, hein, les limites. Jeu d'ombre. Elle n'aime pas trop. Ah, c'est une conduite pépère, mais surtout sans à-coup très douce. Que ce soit au niveau d'accélération ou des trajectoires. Ah, vous avez vu, hein. Alors là par contre c'est intéressant parce que là on est à l'ombre mais on voit très bien la route, donc là en théorie elle devrait y arriver très bien, aucune excuse là. Ah ben voilà, elle a raté, mauvais point pour le FSD bêta là. Là je comprends, enfin je comprends pas là, c'est... Et en fait c'est quand le virage, non en fait c'est peut-être ce problème de lacet, hein. Quand le virage est très très fort et qu'elle arrive un poil vite, elle laisse tomber, elle veut pas donner de frein. Là, ça devrait passer poil crème. Voilà. Et voilà, c'est le même, exactement le même que tout à l'heure là. Est-ce qu'elle va y arriver? Ouais, parce qu'elle va arriver moins vite. Ah, quoi que là, vous voyez, elle a désengagé. Alors, je vais peut-être corriger moi-même un tout petit peu le. Mais 35, franchement, c'est ridicule. On va rouler à 35 miles, hein. Et là, je vais vous montrer une zone de travaux. Alors là, c'est exceptionnel, hein, puisque c'est la grosse différence par rapport à l'Europe. Il y a un feu, hein, qu'on ne voit pas, qui est juste au-dessus, là. Et quand le feu va passer au vert, bah, la voiture, toute seule, va décider d'abord d'aller sur la voie de gauche, alors qu'il y a une ligne continue. Et puis, elle prend en compte, forcément, les plots. Hein. Autrement, elle irait tout droit. C'est ce qui se passe en France. Hein. Quand vous avez une zone de travaux, même sur autoroute, quand vous avez une voie déviée sur, de l'autre côté de l'autoroute avec des plots, ben la voiture, elle va tout droit. Regardez, là, je ne fais rien. Elle détecte les plots toute seule, comme une grande, et elle prend la voie. Et ouais, tout est bien représenté sur l'écran. Alors, vous voyez, là, il n'y a même plus de plots, mais elle reste bien à gauche. Et après, dès qu'elle va revoir la voie de droite ouverte, disponible, eh bien,
Elle va y aller toute seule. Alors là, c'est la voie, la route était vraiment dégradée. C'était pas très agréable. Et voilà, vous voyez, hop, moi je ne fais rien. Mais la voiture continue son chemin. Là, c'est vraiment remarquable. Et là, un autre exemple dans la descente, cette fois, hein, de la montagne, entre guillemets, et avec un virage en lacet très prononcé. Et là, elle va y arriver. Elle va s'arrêter un poil ici. Vous voyez, elle ralentit beaucoup, mais elle met toujours clignotant d'ailleurs. C'est quand même intéressant. Je pense que ça doit être obligatoire avec le FSD bêta. Lorsqu'il y a des virages assez prononcés, bah, elle met le clignotant systématiquement, alors que les autres véhicules, évidemment, ne le mettent pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres avec notamment la recharge au superchargeur aux États-Unis, comment ça se passe, avec les annonces au niveau de l'écran, pas très différent de la France, honnêtement. Et puis aussi la conduite de nuit, hein. Ça va être très intéressant, voir s'il y a une différence par rapport à la conduite de jour. Et écoutez, je vous remercie encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à me poser des questions, évidemment à mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. Sur ETEC Alsace. Ciao!